Soyez les bienvenus à Ouarzazate, la ville du cinéma au Maroc, le Hollywood marocain. Dans cette ville, les plus grands réalisateurs d'Hollywood ont tourné ici, comme Ridley Scott ou encore Martin Scorsese. Nous allons vous expliquer pourquoi ils ont choisi Ouarzazate. Des visages bibliques, c'est la spécialité de Ouarzazate. Des gueules que les réalisateurs du monde entier viennent trouver ici. Aujourd'hui, le studio est occupé par une équipe américaine qui tourne un documentaire sur la vie de Jésus. Tout est fourni par les Marocains, figurants, décors et techniciens, à des prix défiant toute concurrence. Il y a les décors, la luminosité, il y a surtout l'accueil des étrangers. Tout est sur place et même les compétences. Nous avons le savoir-faire pour accueillir les étrangers et leur donner le meilleur du Maroc. En plus, les salaires et le coût de la vie sont bas. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Bon, venez par ici. Je dois voir juste la nuque ou alors de profil. Mets-toi là. L'assistant réalisateur est un natif de la ville. Il est le lien entre le réalisateur et les figurants marocains. Et action, d'intérieur. Fouad Bentalal s'est spécialisé dans les superproductions historiques, un genre à part entière à Ouarzazate. Ces acteurs que vous voyez ici ont joué dans les plus grands films d'Hollywood, dans les plus grands films américains. Les réalisateurs n'ont aucun mal à les diriger. Alors que l'équipe technique déjeune à la cantine, les figurants marocains, eux, se partagent des boîtes de sardines sous le décor. Pour Abdelaziz, être acteur est un job comme les autres. Je n'ai pas fini mes études et j'ai fait beaucoup de petits boulots. J'ai rencontré énormément de gens dans ma vie. C'est cela qui m'a appris mon métier d'acteur. Le cinéma est une aubaine pour Ouarzazate et ses habitants. Un seul regret, les décors de cinéma sont beaucoup plus connus que sa vieille médina.